Il est exactement 7h50. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Du coup, j'ai décidé de vlogger cette journée. Alors, normalement, ma petite sœur m'avait dit qu'elle me ferait à déjeuner ce matin. C'est-à-dire des croissants et du cacao chaud. Il neige! Happy birthday! C'est le moment de se préparer. Pour les soins, je me suis acheté la gamme de Ordinary. De la mettre en journée, celui-ci à mettre le soir. J'ai ma petite huile de chez Sephora. J'ai ma crème de jour. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je ne mets plus de fond de teint. Je mets que de l'anti-cerne, mais j'en mets partout. Un anti-cerne pour le visage et un anti-cerne pour les vrais cernes. Je trouve que le teint, c'est vraiment ce qui change le plus. En fait, pour les anti-cernes, j'utilise ceux de Maybelline. Ceux-là. Quant à la poudre, elle a un petit peu usé, mais c'est une Fenty Beauty. Depuis que j'ai utilisé celle-là, impossible de passer à autre chose. Elle est trop trop bien. On fait le contouring. Là comme ça j'ai un magnifique. Il faut être une arnaque jusqu'au bout les gars. Jusqu'au bout on pousse l'arnaque. Pour les sourcils. Et après on s'étonne que je fais mes sourcils tous les matins. Mais les gars, vous voyez quand même cette différence incroyable. Je peux pas sortir avec des sourcils comme ça, ils sont beaucoup trop faibles. Celui-là par contre. Et puis, le ravalement de face avait fait, on passe aux cheveux. En temps normal, j'essaye de plus sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux. Mais là, il faut vraiment que je me dépêche. Et en plus, vu qu'il neige dehors, il fait super froid. Alors sortir les cheveux mouillés, c'est hors de question. Bon, là, j'attends que mon lisseur se chauffe. En attendant, je vais me changer et je reviens. Donc on est ici, qu'on se parle face to face. Je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Par ma soeur, j'ai reçu ce comics. Ainsi que un porte-carte Tommy. Par mes parents, j'ai reçu de l'argent et un bracelet. Je sais pas si vous voyez, en gros, il est écrit bordélique mais créative. Et ça, pour ceux qui me connaissent, savent que, bah oui, c'est clairement moi. Comme d'habitude, hein, ça ne change jamais. Je vais boucler les mèches devant. Pourquoi ça a si peu pris? Qui a baissé mon lisseur jusque là? Je le baisse jamais si bas. On reprend une fois. Ah là, ça me paraît mieux déjà. Au moment, ça ressemble un peu à rien, mais il faut le temps qu'il se mette en place. Alors, le petit outfit of the day, vraiment très très simple. J'ai juste un haut blanc Nike avec mon petit médaillon dessus. Un pantalon pâte d'éléphant. Bon, bien sûr, je vais pas rester en croque. Donc là, je vais descendre et je pense que je vais partir directement parce qu'il faut que j'aille à la commune. Quand je reviens, j'ai deux TikTok à tourner parce que c'est des TikTok anniversaire. Je sais pas, je me suis pris un délire, j'avais envie de faire un truc. Du coup, il faut que je tourne ça, que je les monte et comme ça, je peux les poster les deux dans la journée. Je pars à la commune, let's go. Toujours passer faire un bisou à Bona avant de partir, toujours. Il neige en plein mois d'avril, on adore. Les chiens aussi adorent apparemment. Je pensais faire une photo juste devant le sapin, ça le ferait trop bien. Il a posté sur Insta en mode Birthday Girl en mois d'avril avec de la neige. Oh, est-ce qu'on lui a demandé son avis à Loi? Je ne pense pas, non. Ah. Oui, mais c'est bon, hein. Ça mange la neige ici. Hein, ça mange la neige. C'est quoi ça? On mange la neige? Elle veut plein de caresses, gardez là. On arrête, elle en demande. Hein. C'est la gueule. C'est l'apéro! T'en fous? Des mini burgers. Là, je vais aller rejoindre quelques amis
pour boire un petit peu. On boit avec modération, les gars. Ce fut une très 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 bonne journée. Et j'espère que la soirée le sera tout également. L'heure de partir faire la fête. Let's go! Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais surtout pas oublier de faire un câlin à Koda au partant. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of... Et vous savez quoi? C'est des pas, ils passent. Tu vas être sur mon blog sur YouTube. Oh, je suis chaud, hein. Je peux avoir des abonnés. Vous savez, c'est quoi mon super talent? Je sais écrire sans regarder. Voilà. Bon, oh, voilà. Est-ce que je suis pas trop douée? C'est pas mon super talent, bien sûr. Du coup, on a dû me recommander un verre. J'ai renversé mon ancien verre sur moi. J'ai les jambes trempées. C'est pour moi. Oh, merde. T'as tiré un panier. Oh, je te permets pas. Bon, je suis actuellement devant le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et je me rends compte en fait qu'il n'y a pas vraiment d'explication pour la suite. Donc je vais vous la donner. Déjà, niez ma tête s'il vous plaît. Je fais actuellement le Covid, donc je suis au bout de ma vie. Mais enfin, je vais vous expliquer. Du coup, donc, je suis sortie pour mon anniversaire dans un bar avec mes amis. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un gros traquenard. En fait, donc, mes amis ont réussi à me convaincre d'acheter une place de festival pour le lendemain. Moi, j'ai ensuite réussi à convaincre ma meilleure amie de venir avec nous. Et ensuite, on a réussi à convaincre deux autres amis à venir. Donc, ils ont réussi à recruter 4 personnes de plus pour le festival. Franchement, c'est pas pour nous déplaire. Je vous avoue que ça faisait 3 ans que j'étais pas allée en festival, donc ça faisait un petit peu bizarre. Voilà, au moins vous savez pourquoi on passe d'un bar à un festival en 2 secondes. Et je vous laisse avec la suite des images, j'ai pris quelques vidéos lors du festival. Et puis ce sera la fin du vlog, voilà. Donc j'espère que ce vlog anniversaire vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super beau week-end. Voilà, ça faisait 3 ans au moins. J'avais pas fêté mon anniversaire. J'ai jamais été grosse fête, tout ça, mais au moins sortir boire un verre, faire quelque chose. Et là, ça faisait minimum 3 ans que j'avais rien fait, puisqu'il y avait eu le Covid. Donc ça fait du bien, voilà. Et puis refaire un festival comme ça, après autant de temps aussi, ça. Franchement, j'ai pas tenu jusqu'au bout. Hein. Le festival, c'était de 22h à 7h au matin. À 4h avec ma meilleure amie, on est retourné dans la voiture, on n'en pouvait plus. On était en gueule de bois, plus le fait que ça faisait 3 ans qu'on n'en avait pas fait, je vous avoue que c'était un petit peu dur. Voilà. Après, j'ai retrouvé mon DJ préféré et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, c'est lui que vous voyez sur le 3/4 des vidéos qui vont suivre. Voilà. Je vous laisse avec la suite et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, et tout le tralala, ça fait plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.